Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Baby Note de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman, voilà, obligatoire, donc livre compagnon de Maybe Someday, ce sera lu prochainement, très 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 très, très vite. Je suis un peu déçue parce que c'est tout petit, mais bon, voilà, c'est arabe et on va pas se plaindre. Confesse de toujours Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman, j'ai hâte de me plonger dans cette nouvelle histoire. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je me refuse tout spoil, je ne regarde aucune chronique, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Je n'ai même pas lu la quatrième de couverture. J'ai hâte. La fille de Brooklyn par Guillaume Musso aux éditions XO. Je n'ai pas encore lu une. Je n'ai pas encore lu. C'est quoi son dernier roman? Son dernier roman, Instant Présent, voilà. Je n'ai pas encore lu Instant Présent, donc je vais dire prochainement. J'essaye de décaler en fait mes lectures, de lire les tomes un an après, ou pour me garder des tomes entre guillemets. J'avais moyennement aimé 7 ans après. Je ne sais plus le titre, mais j'avais adoré Demain. Donc j'espère que Instant Présent et La Fille de Brooklyn me plairont, en sachant que, à ce que j'ai compris, La Fille de Brooklyn est plutôt orientée thriller. Donc ça risque d'être moyen, parce que moi les thrillers ce n'est pas du tout une histoire d'amour. Pour un relais d'une gare, je me suis acheté en attendant un train Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu. J'adore Mathias Malzieu, notamment La Mécanique du cœur. On en a entendu énormément parler sur Booktube en général il y a 2 mois il me semble, notamment par Guillaume de Tribulation d'une vie et Manon. Oui, il me semble que c'est Manon. Et donc voilà, je l'ai vu, j'avais rien à lire, j'avais 2 heures à attendre à la gare de Bruxelles. Donc voilà, je me le suis pris, je l'ai juste commencé en fait, finalement je l'ai pas trop lu pendant ces 2 heures. Ça a servi à grand chose, n'est-ce pas? Mais voilà, je suis contente parce que c'est le premier Mathias Malzieu que j'ai en grand format. Donc voilà, on verra. Achat juste obligatoire pour ce mois. Le disparu du clair de lune, la passe miroir, le disparu du clair de lune, le tome 2 par Christelle Dabo. Voilà, le tome 1 a été un énorme coup de cœur, achat obligatoire, je l'ai vu à la FNAC, je l'ai pris. Surtout que je l'ai fait gagner à l'une d'entre vous, donc il aurait été dommage de m'en priver. Dangerous Perfection et Simple Perfection de Abby Klein aux éditions, donc là c'est Françoisir, donc c'est un double tome, qui sont disponibles séparément dans la collection et moi il me semble. Voilà, les tomes simples étaient dans ma wishlist. Et puis en allant chez Françoisir, j'ai vu ce double tome. Donc voilà, pourquoi pas. Économie d'argent, économie de place. Que demander de mieux. Et enfin, les 2 derniers livres que j'ai à vous présenter, ce sont 4 tomes. Comment formuler ça? Ce sont 4 tomes dans 2 livres. Enfin bref, vous allez comprendre. Donc il s'agit de Felicity Hathcock, les tomes 1 et 2, Les anges morts d'aussi et Les anges ont la dent dure par Sophie Gemin aux éditions Franchoisir. Donc j'ai déjà lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé. Vous le verrez ou vous l'avez vu dans mon update lecture. Je ne l'ai pas encore tourné en fait, donc je ne sais pas dans quelle heure je vais publier les vidéos. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Enfin, je vous en parlerai plus tard. Et donc, forcément, je me suis pris les tomes 3 et 4. Les anges sont de mauvais poils, les anges sont sans merci. Toujours de Sophie Gemin et toujours aux éditions Françoisir, forcément. Voilà, histoire d'avoir la saga. Pareil, ça devait être mon achat, un des achats trimestriels. Celui-là, je l'ai un petit moment, je ne l'ai pas présenté tout de suite. Donc voilà. Et voilà, c'en est déjà fini pour ce book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez lu ou si vous voulez lire l'un des livres que je viens de vous présenter. À vous abonner pour ne louper aucune vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Bye! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve... Bon. Maybe Not de Colleen Hoover. Oh, c'est pas vrai. Colleen Hoover. Je sais plus le dire. Colleen Hoover. De Colleen Hoover ou de Colleen Hoover? Colleen Hoover. Colleen Hoover. Bon, Colleen, allez. On vote Colleen pour cette fois, je ne sais plus.